Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Et ben, j'espère que vous allez bien et je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouveau live. Euh, Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que vous nous voyez bien On va dû commencer par la base. Ouais, et déjà. Tout à moi je suis Pauline Salut et aujourd'hui on reçoit bah, Eric, connaisse le nom de Atom. Salut tout le monde, ça fait plaisir de revenir. Salut. Est-ce qu'il y, y, y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas Atom On sait rien tu ouais. vois Déjà. levez Peut-être hein. Il <laughs> euh, bah, y a déjà du coup du monde sur le chat, donc je vais, euh, vais demander des bonjour à tout le monde. Du coup, sur YouTube, euh, bienvenue à Ninja Dark euh, John et Thierry Asbin Design. Ah, il est chaud, à toi, il est chaud. Bah ouais, toujours, toujours. <laughs> et du coup, bah, comme d'habitude, si vous êtes sur YouTube, Alexandre vient de vous partager le lien pour nous retrouver sur Biens Et parce que Biens. Il y a plein de gens, on peut stocker vos portfolios et ça c'est quand même cool. Et du coup, du côté bien, bonjour à Delphine, Jamila, Alex, bonjour à moi-même, là, ça va plus. Bonjour à Franck, Alex, bonjour à tout le temps à Tom, Ticugno, Florian, Joël. Donc, du coup, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà. Parfait, cool. C'est à toi. C'est quoi le programme du jour Alors, le programme, euh, donc déjà pour les personnes qui ne me connaissent pas, euh, parce que je vois quelqu'un qui dit j'y connais rien à Atom, voilà, ah. pas me présenter. Euh, moi, j'ai une chaîne YouTube qui parle de, de 3D, d'effets visuels, et euh, en gros, j'explique un petit peu comment essayer de refaire ça chez soi euh, avec des logiciels de la suite Adobe. Là, on va utiliser Adobe After Effects, euh, donc si on peut euh, basculer rapidement sur mon écran pour que je puisse montrer euh, l'effet que je vais refaire avec vous aujourd'hui. C'est un effet que j'ai fait, hop, pour une prochaine vidéo qui devrait sortir sur ma chaîne YouTube. Et en gros, c'est de faire une fausse blessure euh, sur After Effects en se basant que sur du bruit procédural avec un bruit fractal. Je vais vous montrer un peu tout ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut avec cette technique faire d'autres choses, comme par exemple insérer le logo du Batman, comme s'il m'avait marqué un petit peu au fer ah rouge. Ah ouais. J'en <laughs> euh, peu... l'actu, quoi. Ouais, c'est ça, dans l'actu totalement. D'ailleurs, le nouveau Batman est fou. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il est insane. Ah, Qu'est-ce que vous avez pensé du nouveau Batman On va lancer le débat. Le débat. Moi, je... Tu l'as vu, toi, Oui, ouais, j'y suis allée. Alors <laughs> C'est C'est pas vrai. <rire> <Ouais>. <rire> oh non, il est trop bien, je trouve, personnellement. Un oh. peu long, mais ça va. <laughs> bon, du coup, on va voir ça ce soir. Euh, on va utiliser euh, After Effects. Il y a un petit plugin qui va nous servir à traquer des surfaces en mouvement. Mais pas comme Mocha pourrait le faire, euh, qui est déjà dans After Effects compris. Mais nous, on va utiliser un petit plugin qui s'appelle Lockdown, que je vais vous montrer tout de suite. Lockdown, c'est ça. Euh, ça se trouve sur A-Script, un site où vous avez plein de scripts et de plugins pour After Effects. Et ce script-là, ce plugin, nous permet d'avoir du tracking de surfaces qui bougent, comme par exemple là. Oh, C'est cool. ah, vraiment trop bien, une méduse. Euh, donc, il va capter plein de petits. Je vais vous montrer comment ça marche, en fait, hein, tout simplement. On peut faire des exports pour de la 3D, en alambic, pour les connaisseurs. Euh, on peut faire plein de trucs très intéressants. Et nous, ça va nous servir à traquer ma joue qui est en mouvement, un peu en torsion, euh, sur, du coup. Tout ça. Alors c'est parti, on va euh, et du coup ça peut être utilisé pour faire du cleaning. Là, on peut voir qu'il enlève son tatouage. Il y a plusieurs cas de figure où ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce truc. Là, par exemple, là, le, le logo TIC, il n'existe plus, on peut le remplacer. Ah oui, c'est.. Ouais, c'est bon. ouais, vraiment ouais, super. Bien, le Photoshop euh... mm. Et du Donc, coup, ça coûte euh... combien Ça coûte quand même relativement cher. <laughs> ça coûte 250 dollars. Ah ouais. Ouais, mais après, il y a toutes les mises à jour euh, à vie. Et, euh, et en plus de ça, c'est quand même quelque chose de très pratique. Et ce genre de choses est utilisé en général pour du professionnel professionnel. Et en général, 250 euros pour un outil qui peut sauver autant les fesses. Voilà. Donc c'est okay. cool. Il y a une petite version d'essai pour les petits noobs qui veulent ouais, essayer. Exactement. Okay. Il y a une version d'essai. Euh, Alexandre a partagé le lien. Donc c'est très cool. Il me devance. Fou. Allez. Donc on va commencer tout de suite. Et je vais vous montrer deux petits trucs. Déjà, euh, la vidéo de base, c'est celle-ci. Hop, voilà. Donc, ça, c'est la vidéo de base. Et je voulais juste vous montrer la vidéo de base parce que euh, c'est une vidéo en log. Un log, c'est une sorte de fréquence dans les couleurs. C'est souvent utilisé dans les caméras. Et ça permet d'avoir une grosse flexibilité dans les hautes lumières, les basses lumières, les couleurs. Et euh, en gros, ça, c'est le fichier log. Mais en général, il faut faire une conversion en REC 709. C'est un autre espace colorimétrique. Euh, qui est pour la diffusion un petit peu euh, voilà, sur le net, euh, tout ça, ou sRGB. Euh, et du coup, on passe de ça, et moi j'ai fait un pré-rendu pour l'avoir directement en euh, sRGB, je crois, ou REC 709, je ne me rappelle plus. Euh, et du coup, maintenant, on a des vrais contrastes, on a une image qui est belle sur laquelle on peut travailler, on a tous les détails. Donc, à la fin, je fais une grimace, je l'ai laissé juste pour vous, mais on va le couper, n'inquiétez pas. Euh, du coup, on va commencer à travailler sur ça. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, let's go. Ah, il y a le grand JD qui est sur le stream. Trop cool. <laughs> ça va, mec. Euh, du coup, je vais euh, commencer le tracking. On ne va pas tout faire. Tout faire la timeline, ça va être un petit peu long, surtout que c'est un fichier 4K ProRes. Donc, euh, on va essayer de travailler d'une manière optimisée. Donc, là, on va travailler avec ce moment-là de la timeline. B, c'est le raccourci pour faire beginning. Donc le début de ma euh, timeline, clic droit, trim comp to era. Je travaille avec un after Effects en anglais, pardon. Mais sinon c'est raccordement de la, de la composition, quelque chose comme ça. Normalement, dit, je sais un petit peu les traductions. On vous l'a dit, il faut le mettre en anglais, le after effects, sinon c'est trop dur. Voilà, et on va traquer jusqu'à, on va dire, euh, là. Et N comme end. Et donc, c'est la fin. Et clic droit, raccorder la, la composition. Et maintenant, du coup, on a ça. Cool. Donc maintenant, on va faire notre tracking. Alors, le tracking, l'effet s'appelle Vranos. Branos, il se trouve dans ici, Lockdown. Alors, vous pouvez appeler vos effets de la manière Trad, un petit peu d'After Effects, ou il y a un plugin gratuit qui s'appelle FX Console par Vidéo Copilot. Et le raccourci, c'est Ctrl-Espace, et ça amène cette petite boîte de dialogue. Et ici, je vais pouvoir appeler Lockdown. OK. Et juste des petits raccourcis, je montre les deux parce qu'il y a toujours After Effects qui est un logiciel très ouvert et qui permet d'avoir des outils qui nous permettent de gagner des clics et du temps. Donc euh, toutes ces petites tâches de fenêtres déroulantes et tout, bam, ça nous fait perdre au moins 10 secondes. C'est énorme. Sur une journée de travail, c'est fou. Ouais, Donc, euh... ça, je pense que c'est au fur et à mesure quand tu progresses, tu te rends compte qu'il euh... faut gagner du temps sur des trucs comme ça. Quoi. Donc, au début, euh, on galère. Mmh. Je pense qu'il faut avoir des bases solides avec le logiciel en lui-même. Et une fois qu'on connaît exactement comment on fait une tâche, mais qu'on peut trouver une solution à, je sais pas, à 30 balles qui nous permet de gagner au final 10 heures sur le mois, oui, on prend. Oui, carrément. Totalement. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'aller plus vite. Euh, là, j'ai le petit effet lockdown avec plein de paramètres qui font peur. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ne vous inquiétez pas, il n'y a presque rien quand on veut faire quelque chose de basique. On aura la petite fenêtre qui s'appelle Pop Out. On va cliquer dessus et il va nous ouvrir une fenêtre un petit peu comme Mocha. Et maintenant, on a ma vidéo comme ça et je peux la jouer comme ceci. Okay euh, la première chose, euh, FX Console, je suis perdu quand je ne l'ai pas. C'est clair, une fois qu'on a goûté à FX Console, impossible de revenir à l'utilisation d'After de base. C'est impossible. <laughs> euh, du coup, là, on a donc Lockdown et euh, pour faire une sélection de surface, donc euh, l'endroit où je vais avoir ma blessure, je maintiens appuyé la touche contrôle et je vais pouvoir glisser et faire un lasso de sélection à l'endroit où je veux à peu près ma blessure. Disons que ça, c'est bien. Et là, ça m'a créé quelque chose. Ça m'a créé une sorte de maillage 3D. Je vais vous expliquer après, j'ai ouvert ces 4 exprès pour vous expliquer ce que c'est ça. Mais en gros, ça va faire un tracking de tous les détails de ma peau et en l'occurrence mes petits points, euh, mes petits boutons, euh, mon sébum sur ma peau. Ah, euh, donc... tu c'est juste le GH6, il a une qualité de pointe, donc on voit tous les détails, les aspérités de ma peau, c'est tout. Euh, du coup, on a fait une sélection de points, et là, vous voyez que le maillage est plus ou moins dense. Là, il y a environ en tout, alors je ne sais plus quel paramètre c'est ça, ouais, l'assaut ici. Euh, là, j'ai en tout 50 points, mais on peut diminuer euh, et faire entre 20 et 30. 200 points. Donc là, en fonction de vos besoins, si vous voulez quelque chose de très détaillé sur un t-shirt, un sac, un tote bag, n'importe quoi, vous pouvez augmenter ça pour avoir vraiment un mesh de qualité. Euh, on va le laisser au paramètres de base, c'est très bien. Euh, ok. Euh, maintenant, il y aura la méthode. Soit la méthode euh, accurate, ça veut dire voilà, elle est détaillée, ou soit extremely accurate. Et là, là, c'est la top qualité là. Euh, donc écoutez on va faire extremely accurate parce que bon euh, let's go hein. et on va faire tracking voilà c'est ça et puis pendant ce temps aussi je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est ce maillage là euh, j'avais prévu le coup euh, donc là on voit qu'il y a le tracking qui se fait c'est quand même relativement rapide on est déjà à 8% et maintenant on va aller dans cinéma 4D et juste je vais vous expliquer euh, en fait ce que c'est un maillage 3D parce que ça vient de nous créer un maillage et c'est important de savoir eh qu'est-ce qu'il fait au final sur notre, euh, notre peau donc en fait, imaginons que j'ai un cube dans mon euh, un espace 3D. Mon, mon cube, en fait, tout modèle 3D, en fait, que ce soit un cube, n'importe quoi, est composé de, par exemple, vertex. On peut les voir ici, je peux les sélectionner. Ce sont des vertex, des vertices. Et on peut voir que ce sont des points. Euh, et ces points-là sont reliés avec des edges, des traits qu'on voit. Et en fait, quand on va relier nos vertex et nos edges, ça va nous donner une face. Des carreaux en fait et tous les modèles 3d sont au final euh, composés de carreaux et de points et de vertex et de edge et tout ça donc si je vais ici euh, bon, c'est peut-être pas le bon exemple mais en gros par exemple mon pelvis euh, c'est mon bassin là on peut voir que j'ai toujours mes petites euh, edges mes vertex qui forment mes faces c'était juste pour vous expliquer et en gros qu'est ce qui va faire euh, maintenant je vais fermer ça c'est plus utile Hop, voilà. Euh, et donc, lui, il va me créer le maillage. Il ah, va essayer okay. de me recréer le maillage de ma peau. Voilà. Et donc, lui, il faut s'imaginer que tous ces petits cercles que vous voyez là, vulgarisés, hein, parce que je ne sais okay. pas comment il marche le code source du truc. Hein. <laughs> Mais en gros, il faut vous imaginer que chaque petit rond bleu, il va le traquer sur la peau, euh, tout simplement. Et pour essayer euh, de faire donc ce maillage 3D de ma peau. Euh, donc, là, on peut voir qu'il s'est quand même bien déformé parce que ma main, ben, elle a okay. bougé. Euh, donc, ça marche plutôt bien. Et là, on va voir un petit oui, peu que. Je Comment C'est quoi pour que justement ça marche bien à la prise de vue À la prise de vue, OK. À la prise ouais. de vue, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. En fait, il faut que ça soit quand même une surface détaillée. Si c'est quelque chose de complètement blanc, sans aspérité, sans des petits détails, des petites éraflures, des trucs, ça va être compliqué de le traquer. Voilà pourquoi euh, la première fois que j'ai utilisé ce, ce plugin, euh, hop, on va aller sur YouTube. En marque Atom Joker, normalement on devrait voir cette vidéo là que j'ai faite il y a deux ans pour la sortie du plugin. Et en gros, j'avais fait un petit euh, make-up à la Joker. et En fait, euh, je me suis dit peut-être y aura pas ces détails, donc je me suis mis des points sur la tronche. Ouais, ok. Donc, euh, ça c'était à l'époque où je me disais il va falloir des points, mais en fait, il n'y a pas autant besoin de points. J'ai utilisé du mascara pour rien. Euh, mais il n'y a pas autant besoin de points. On peut voir qu'en fait, il analyse vous voyez, tous les petits points-là, tous les détails qui sont intéressants euh, dans l'image. Et lui, après, il va faire un mesh et voilà, je peux déformer à peu près tout ce que je veux. Donc, okay. c'est plutôt cool. Oui, okay. Du coup, tu conseillerais de rajouter parfois des trucs sur des surfaces où euh, tu penses que ça marche euh... ben, Ça dépend de la surface, encore une oui. fois. Mais par exemple, là, c'est ouais. ma peau qui est en close-up. La peau, donc... ça a des choses. Ouais. Il voilà, y a des détails, j'ai des impuretés, j'ai des boutons. Donc, ça peut se traquer, mais sinon aussi peut-être peut de... que sur une caméra qui n'est pas aussi fine que la tienne il va y avoir moins de détails ça va être un peu plus un peu, ouais. un peu moins netté du coup ils vont peut-être moins sentir les détails c'est ça, ça ouais peut-être qu'il ouais. y aura besoin de mettre quelques petits points euh, ouais. Et du coup, là, par exemple, ça, bon, ça on va pas s'amuser à le mettre sur la peau, ça servira à rien. Mais en gros, ça, c'est des track marqueurs et ça fait office de petits points qu'on pourrait mettre, comme moi, vous l'avez vu sur la vidéo du Joker. Euh, ouais. En fait, il faut des points de contraste. Comment ça marche un tracking Tout simplement, ce sont des points de contraste. Et c'est pour ça que sur les fonds verts à Hollywood, ils mettent souvent ce genre de petits trucs, parce que là, vous voyez que, par exemple, c'est blanc et noir, c'est très contrasté. Euh, il y a ici, euh, là, par exemple, la croix. On ressent les points, euh, vous voyez que je peux être super loin à côté, n'importe quoi. Le logiciel va pouvoir le traquer en 2-2, c'est ultra facile. Euh, c'est pour ça qu'on met ça un peu sur les, les tournages et ça marche pareil avec la peau. Donc, les petits points et tout ça, c'est pareil. Joël qui nous dit limiter la compression vidéo, c'est pour ça qu'on peut bosser euh, sur le rush de base. Euh, c'est très rare qu'on bosse de manière des effets visuels sur une vidéo déjà pré... enfin, compressée déjà de base. Euh, donc, euh, ça, c'est sûr que. Le moins de compression il y a, le mieux c'est. Euh, okay. Donc le tracking a été fait. Maintenant, si on bouge, on scroll dans la timeline, on peut voir que hop, ça se déforme. Trop cool. C'est magique. Tu as juste appliqué le truc et ça fait ça Juste ça. Voilà. <laughs> ok, c'est magique. C'est complètement magique. Ce plugin ouais. est vraiment un, un des meilleurs atouts à After Effects pour les VFX. C'est incroyable. Avec FX console que j'ai montré tout à l'heure. <laughs> on peut fermer. Et maintenant, donc j'ai ces petits points qu'on voit dans ma timeline YouTube aussi dans mon prévisualisateur ici. Euh, maintenant, comment ça va se passer En fait, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle donc lockdown et on ouais. va lockdown sur la première frame parce qu'on peut lockdown sur plusieurs frames. Dans mon cas de figure. On le fait sur la première frame, ça marche très bien. Mais dans certains cas de figure, si imaginons la première frame, elle est déjà un peu de billet, la personne, et qu'on voudrait plutôt de face, eh bien, on peut faire un lockdown plus tard dans l'image et dire bah, en fait, je veux lockdown ici. Lockdown, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire friser en fait. C'est vraiment, tu prends cet instant T de mon image, de la vidéo et tu le lockdown. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il s'est pris un shitstorm, le développeur de ce plugin, parce qu'il euh, a lancé le plugin et un an après, il y a eu le vrai lockdown. Le vrai... Euh, le ah vrai ouais, oui, d'accord il y a eu le confinement. Voilà, et du coup, il y a plein de gens qui disaient Le nom, c'est pas fou quand même, parce que bon, on est en vrai confinement là. Et lui il disait Les gars, je l'ai sorti avant le confinement, laissez-moi tranquille. Voilà, vous avez de quoi vous occuper pendant votre confinement. Et voilà, c'est ça. Bam, là, tu viens de nous faire un retournement marketing. Pas mal. Du coup, oui, on refait le clip de justice avec les t-shirts, était avec ce plugin. Ouais, c'est vrai que c'était. J'ai fait une vidéo sur ça, du coup, sur sur comment faire euh, le, le clip de justice avec ce plugin. Si vous voulez, je peux vous montrer rapidos. Euh, c'était là. C'était pas du tout là. C'était là. OK. Atom Justice pour vous montrer une autre utilisation que une peau. Euh, voilà. J'avais fait cette vidéo-là. Et en gros, il y avait le fameux clip de justice euh, dance, je crois que c'était. Et du coup, ben là, j'avais traqué, par exemple, le t-shirt. Ouais. Et là, il n'y a aucun détail sur le t-shirt. C'est juste un t-shirt noir, il n'y a pas de point, il n'y a rien du tout. Donc, on peut voir euh, que ça marche quand même relativement bien. Ouais, c'est complètement. Ouais, et ça pour du motion design, du motion graphisme, c'est le top. Est-ce qu'il voilà. y a des jeux qui se spécialisent juste en, encore en lockdown, tu vas faire des effets là-dessus Ouais, bah ouais, ouais. ouais. C est... Tout est faisable au final, hein, avec ce truc-là. Ouais. Il y a trop de créativité dedans qu'on peut avoir. Salut Pierre, qui vient oh. d'arriver. À la fois sur YouTube et à la fois sur Binance, il est chaud, il est partout. <laughs> Euh, ok, donc maintenant on va cliquer sur donc Lockdown à la première frame par exemple, ou plutôt peut-être celle-ci. Bon, on va partir sur la première. Allez, Lockdown. Et là, il va faire des petits calculs. Cool. Et donc maintenant, j'ai deux nouvelles choses qui viennent de se créer. Il a renommé euh, ma vidéo Background, c'est cool, c'est ma vidéo de base. Voilà, on ne la touche pas. Et ensuite, j'ai deux trucs qui sont rajoutés. Alors j'ai cette vidéo-là avec l'effet Lockdown dessus. Est visible et en gros ça cet effet lockdown est linké avec cette précomposition qui a au-dessus ici donc en gros bon, si j'enlève ça il y aura plus ça et donc ça c'est linké avec ça et en gros ce truc là c'est juste l'affichage de mon effet final et la composition donc le groupe on va dire la composition qui a là c'est là où je vais travailler donc là je vais marquer travail blessure ok j'ai rajouté un dollar à la fin c'est pas bien voilà et une fois que je vais à l'intérieur Maintenant, j'ai trois trucs. J'ai un checkboard. Un checkboard, c'est quoi C'est tout simplement un objet de test. Ils nous ont mis un checkboard pour qu'on se rende compte que, euh, ah ben oui, ça se déforme bien. Alors attendez, il est. C'est un truc qui se fait tout seul une fois que tu as appliqué ton effet dessus. Euh, oui, c'est ça. C'est juste un okay. placeholder, comme disent les anglais. C'est purement ouais. pour avoir. Euh, voilà. Si, okay, si tu un sur play, réglé, euh... ok. Voilà, tu vois. Au moins, c'est pour voir. Euh, que c'est en train de, de traquer que ça marche bien c'est juste un test tu vois ouais. en général dans les trackings on met toujours des sols avec euh, des damiers ou des trucs comme ça ouh, 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 ouh. et alors ouais. oh, non. <laughs> euh, heureusement heureusement genre une minute avant j'ai fait un contrôle S ah bah voilà euh... non mais il est parti avec beaucoup de grâce tu vois il n'y <laughs> ah, avait pas encore là. trop de problème et non, ça, ça va être donc là on peut voir que par exemple ici le le quadrillage se déforme vraiment bien. Salut Elven, Zara. Donc, c'est cool. Et donc, maintenant, on va retourner dans le travail. Et donc, le checkboard, on s'en fout. On peut le supprimer parce qu'au final, euh, ce n'est pas quelque chose qui est utile pour nous. Euh, encore une fois, ce n'est qu'un placeholder. Cool. Et maintenant, donc j'ai ce truc-là. Donc ça, on peut le masquer. Un... Ça, en fait, ce qu'on peut voir ici, cette espèce de grille euh, violette turquoise là, euh, c'est ce qu'on appelle un guide layer. Un guide layer dans After Effects. Euh, si on fait. Ah, et alors hey, il, il est un peu chagriné là. Un ah, petit il... After. Il faut, il faut lui parler. Il faut lui parler. C'est bon, c'est bon. nickel. En même temps, je bosse sur de la ProRes 4K là. Ça, il doit pas aimer trop ça. Ouais, Est-ce que tu es, est, est as 1000 trucs ouverts en même temps ou juste ça J'ai que ça ouvert. C'est bon. Ah, okay. Normalement, là, ça devrait le faire. Mais bon, on va voir. <laughs> du coup, là, j'ai mes guide layers, donc c'est des, vid des, 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 des vidéos qui sont tout simplement euh, visibles que dans ma composition, mais si je reviens sur ma composition principale, ils ne seront plus là. C'est vraiment que des guides au final. Okay. Donc là, euh, j'ai deux vidéos qui me servent de guide, et là, ce guide-là, en fait, c'est tout simplement ma vidéo qui est stabilisée. Donc, là, si on regarde, c'est un morceau de chair qui bouge. C'est trop marrant. C'est marrant. Hein et encore, là, ce n'est pas trop visible, mais quand tu le fais sur un visage entier, oh, qu'est-ce que ça fait bizarre. Ouais, on dirait une peau qui est à plat avec, euh, et que tu souffles derrière. ça. Ouf. Dégueulasse. Ah, c'est <laughs> très marrant. Euh, du coup, voilà, on a ça. <laughs> mais il est partout, Atom. Bonjour, vidéo, Salut, Johan. Timmy Prod qui nous dit Salut, c'est le retour de Atom. J'attendais une vidéo comme celle-ci depuis longtemps. Bien vu. Eh ah, bien, bah, parfait. Euh, du coup maintenant on a la peau stabilisée et comme en fait c'est stabilisé c'est mis à plat, eh j'ai juste à poser des éléments dessus et ça va marcher donc maintenant ce qu'on peut faire c'est imaginons euh, je vais sur internet, ça c'est juste un petit exemple, et je prends cette magnifique illustration de l'artiste que j'adore Juan Cornella. Euh, j'ai un tatouage à son effigie <laughs> sur ma cheville, euh, ouais. un artiste qui fait que de l'humour un peu noir euh, euh, voilà c'est un truc un peu... Euh, voilà. Très, très dark, euh, très euh, cynique. Voilà. Ouais, allez voir, c'est bien. Euh, bien hein <laughs> et, et tous leurs personnages, en fait, tous ces personnages font ce gueule-là. Il a toujours le même visage, c'est très rigolo. Donc, euh, prenons son visage. Hop, paste image. Alors là, pour faire un copier-coller d'image aussi vite, j'utilise un petit outil intéressant. Donc ça, on s'en fout. Euh, c'est ici, je crois. Ouais. Il s'appelle Mobo Utils. Alors, Mobo Utils, c'est un, une suite de plugins. Euh, qui s'améliore sa, qui, qui au fil du temps. Je crois que c'est développé par des Français qui s'appellent Motion Boutique. Euh, c'est des gars très très forts. Euh, du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une boîte d'outils qui se euh, remet à jour au fil du temps. Et ça, c'est trop trop bien. Parce que moi, je l'ai acheté au début, il coûtait 5 balles. Et comme il y a eu plus d'outils maintenant, bah, il coûte 17 donc, plus on l'achète tôt, plus euh, voilà. Euh, donc, il faut investir parce que ça augmente les tools. Et il y a un petit tool qui donc, fait un copier-coller euh, d'une de, de, image. Tu peux faire copier sur le web et automatiquement faire coller dans After Effects. Et c'est très pratique. Ça économise des clics, encore ouais, une ouais. fois. Ça fait gagner des heures de vie, quoi. C'est ça, ouais. John C. Ouais. qui dit il est partout, mais il se répète. Joke. C'est marrant parce que ça, je l'ai déjà présenté en fait, cet effet-là en stream sur, sur mon Twitch. Euh, donc, euh, c'est clair que je me répète, mais ça perfectionne au moins les techniques. Et euh, je ah, me rappelle, Pauline, qu'on avait fait aussi euh, ensemble une cape euh, d'invisibilité. Tu te rappelles oh ouais, c'était il y a super longtemps. C'était ouais. un des premiers lives qu'on avait fait ensemble, je pense. Carrément, carrément. Bah, ça, c'était un, que... ouais. ça. Ça, un effet que j'avais préparé sur ton stream pour ma vidéo. Donc, euh, je me répète, c'est vrai. Ah, ben bah, voilà. <laughs> Allez. Donc, maintenant, tic. Euh, je peux faire euh, ça c'est juste euh, purement technique euh, c'est pas vraiment dans la blessure mais je vais isoler du coup mon tatou parce que là juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de trucs avec on peut faire des tattoos par exemple donc là je vais juste crush mes levels pour avoir une image vraiment noir et blanc Hop. voilà parfait Nickel. Et maintenant, je vais pouvoir, par exemple, le placer en mode, euh, pas du tout pas en mode, euh, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un truc qui s'appelle euh, Unmult, c'est un petit plugin, encore une fois, euh, par Red Giant, mais je vais vous montrer une autre alternative. Euh, en gros, Unmult, c'est tout simplement prendre les pixels qui sont sombres et les rendre transparents. C'est tout okay. simplement ça, euh, c'est aussi simple que ça, mais on peut faire un autre truc. Euh, c'est que, que. je qu soit pas euh, en natif dans After, un truc comme ça, tu vois. Eh bien, ça mais euh, ça s'appelle masquage par luminance. Mais c'est okay. des trucs qui, qui ne sont pas réellement aussi précis que. Euh... Euh, bah, du coup, je suis en anglais, donc c'est luminance qui. 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 Et du coup, normalement, je devrais avoir un alpha voilà, que de ça. donc C'est okay. moins précis parfois, mais là, ça fait le taf. Donc, on va le laisser comme ça. On va utiliser que du natif d'After Effects. C'est fou, mesdames et messieurs. Merci Jamila qui dit que j'explique bien. Parfait. Content. Eh ben, Jamila, on veut voir euh, mon tatouage de Batman demain. Moi, ah, ben de... oui, voilà. voilà. Je suis chaud. <laughs> donc, on va mettre ça là-dessus. Et maintenant, j'ai mon tatouage. Si je reviens sur ma composition principale. Il va charger. Je suis pas sûr que bosser en Prores aurait été intelligent là-dessus, tu vois. Le Prores est quand même quelque chose de très lourd à travailler. Ouais, pas sur un live en fait. Ouais, non. voilà, surtout ouais. sur un live. La Prochaine ouais. fois, je prendrai un petit point MP4, là, ce sera bien. Mais... Qui prend 90% de ton ordi là, c'est le Zoom, c'est pas l'after. Le... Il faut le préciser, tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est clair que streamer, ça prend quand même de la ressource. Mais désactiver un truc aussi dans, le, dans les paramètres de composition, le preview, c'est Cache Frame When Idle. C'est une nouvelle feature qu'il y a dans After Effects qui est très intéressante. Mais si, imaginons, vous allez boire un café ou quoi, ou n'importe quoi, lui, il va cacher la timeline si je ne touche pas ma souris. Donc ça prend des ressources. Donc euh, là, on est actif, on ne va pas se barrer. Donc... Et là, on peut voir que maintenant, j'ai mon petit atout de Juan Cornela. C'est marrant. C'est hein marrant. Et il bouge bien. Euh... Super bien, quoi. Ouais, c'est très très cool et euh, on peut, si vous voulez faire vraiment un tatouage, euh, par exemple. Euh... Donc oui, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça c'est la composition du travail, mais ce qui est affiché c'est là. Donc en fait c'est ça que j'appelle tatou. Okay. Voilà, ça c'est ce qui est visible. Bon j'ai marqué tatou. Euh, on peut mar le mettre en mode multiply, c'est des modes de fusion. Vous allez voir, on... encore une fois c'est juste pour expliquer. Hein. Et je peux faire une copie de ça, par exemple, mettre, euh, je sais pas, un petit flou par dessus. Allez mon clavier fastbox Blur, et je peux le flouter pour avoir un petit relief. Et je peux mettre par exemple un fil euh, rouge pour dire que voilà, je viens okay. de me le faire tatouer. C'est un peu rougeâtre, quoi. ça fait okay. un peu beau. Voilà, là c'est mon petit tatou qui, qui cicatrise encore. Ça fait mal. Et <laughs> hey, ça, ça John, t'as vu, je me répète pas. Hein, je l'ai pas montré en stream. Hein, de la nouveauté chez Adobe. Bon, <laughs> du coup, tac. Cool, ça marche bien. Mais nous, on ne veut pas faire ça, on veut faire euh, donc une blessure. Alors, on va revenir sur la composition de travail et on va supprimer euh, mon tatou parce qu'on s'en fout. Donc, nous, on va faire notre tatou d'une manière procédurale. Qu'est-ce que ça veut dire le procédural Procédural, c'est travailler d'une manière, en fait, où on ne dépend pas de texture fixe. On ne dépend pas, par exemple, d'une texture en point JPEG. C'est quelque chose qui est généré aléatoirement directement dans le logiciel. Euh, et euh, l'effet le, le plus procédural dans After Effects et qui est utilisé même sur Substance Designer, euh, sur plein de logiciels procédurales, euh, c'est le bruit fractal. Et j'avais fait un, un stream chez vous d'ailleurs, chez Adobe, qui s'appelait euh, Bruit fractal, les, les diverses utilisations du bruit fractal. Euh, donc il y a un stream rien que pour ça. Donc c'est plutôt cool. Si vous êtes intéressé, allez le voir. Euh, on va mettre euh, donc bruit fractal, fractal noise en anglais. Et maintenant j'ai ces tâches-là. Et là tu te dis mais... Comment, comment faire une blessure avec ça euh, Comment faire une blessure avec ça hum euh, Eh bien, on va voir ça tout de suite. Euh, déjà, on va baisser l'opacité de mon bruit. Comme ça, on verra bien la zone de travail qu'il y a en dessous. Parce qu'on ne peut pas excéder cette zone de travail. Le maillage qu'on a créé, ça va être la capsule de notre effet, de nos effets, de nos atouts, de nos blessures, de ce qu'on veut. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un petit masque déjà. Donc, il y a l'outil plume ici. Et on va faire un masque sur la zone où je veux qu'il y ait ma blessure. Tac. On va remettre l'opacité à 100%. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est appuyer deux fois sur M. C'est le raccourci pour avoir les paramètres de masque. Et donc, je vais pouvoir augmenter le masque teaser ou en français, le contour progressif du masque. Et là, ça va me flouter un petit peu le bord. Voilà. Sinon, il y aura une blessure un peu trop nette et c'est bizarre. D'accord euh, Donc maintenant, j'ai ça. Et on peut changer plusieurs paramètres, comme par exemple la complexité du bruit. Et là, on peut voir que ça devient plus ou moins détaillé. On va mettre la complexité, je ne sais pas, autour de 13, un truc comme ça. On pourra bouger le brightness et le contraste. Et ça, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Mais en gros, si je reviens maintenant sur ma composition de base et que je change le mode de fusion, donc plus de mon tatou, mais de ma blessure, eh bien, je vais pouvoir le placer en mode soft light. Et là... Vous allez me dire, mais on ne voit rien. Enfin, on voit qu'il y a quelque chose, mais il Et... ah n'y a pas encore grand chose. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est par exemple augmenter les contrastes, augmenter, pas augmenter. Et là, on peut commencer à voir des trucs un peu bizarres. Comme si oh j'avais... Oui, J'étais en train de me demander, tu vois, ça fait cinq minutes que je me demande, mais où est-ce qu'il va avec ces nuages là <laughs> Là, on dirait que j'ai une ecchymose ou ah, des cool. d'acné. Oh, ça marche super bien en direct, ouais. Euh, ah, rien que ça, énorme. ça marche bien. Les modes de fusion, c'est la vie. Il y a les modes de fusion ouais. pour vite fait. Euh faire un récap mais les modes de fusion en gros c'est comment prendre les pixels d'un solide ou d'un layer ou d'un calque et les interpréter d'une manière différente sur les tout ce qui est en dessous pour faire simple à ne pas ouais, confondre avec les, les, les euh... comment ouais, c'est les mêmes que dans photoshop en plus ouais totalement ouais. c'est en général c'est des un truc universel un petit peu ouais. comme les chiffres c'est universel au final euh, donc maintenant j'ai ce truc là et Joël qui nous dit à, à ne pas confondre avec l'effet fractal <laughs> lequel tu ne fais rien Eh bien attends parce que je crois que Vidéo Copilot Andrew Kramer m'avait dit qu'il prépare un truc avec ça donc c'est marrant c'est un autre effet bref c'est un truc de geek ça. Euh, du coup maintenant j'ai cet effet là un peu bizarre et ça me fait penser un peu aux cicatrices qu'a Rami Malek dans le dernier James Bond ça fait des cicatrices un peu brûlées dégueu euh, c'est pas beau donc nous en gros Regardez ce qu'on peut faire avec After Effects. Si ici euh, le, je retourne dans ma composition blessure et que j'appuie ici sur le cadenas euh, bruit fractal, je clique dessus, et bien en fait ça va loquer ma fenêtre et je vais pouvoir revenir sur ma composition précédente, mais toujours avoir les contrôles de mon noise. Et donc ça c'est pratique parce que je vais pouvoir faire par exemple du euh, contrôle sur euh, sa luminosité, son contraste, voir exactement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que c'est en train d'affluer sur ma peau. Et en fait, je ne vais pas avoir besoin de revenir et tout le temps faire des allers-retours. J'appuie sur mon lock et automatiquement, je peux ici avoir directement les changements. Donc, c'est plutôt cool de travailler comme ça. Donc maintenant, on a ça. Prochaine étape déjà, c'est qu'on va créer du relief. Parce que pour le moment, ce n'est pas réellement une blessure. C'est une sorte de cicatrice un peu texturée, bizarre. On a combien de streams là? Je n'arrive pas à me rendre compte. On est à combien de quoi? On est à du stream. 31 minutes. Parce que quand je m'enflamme ça part vite et parfois je suis à deux heures de stream je suis, oh non mon dieu oh, c'est bon, ok bon cool euh, du coup là j'ai ça donc maintenant on va devoir créer du relief sur, euh, sur la peau euh, pour ça c'est tout simple on va retourner sur mon bruit fractal et je vais rajouter donc cet effet de unmult unmult hop et ça va m'enlever en fait toutes les zones sombres cool euh, mais 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 ce que je peux faire aussi euh, en fait avec ça c'est que je peux ne pas utiliser un mult mais je peux utiliser un effet prédéfini qu'il y a dans After Effects qui s'appelle alpha depuis luminance luminosité pardon entre guillemets un ça fait exactement la même chose j'appuie hop et c'est pareil sauf que euh, là il n'arrive pas à en prendre en compte en fait mon masque progressif et du coup ça me fait quelque chose de bizarre hmm, dommage du coup parce que ça ne nous est pas utile <laughs> donc on va utiliser un mult <laughs> hop je montre les limitations aussi c'est bien tac Cool, donc ça c'est pratique. Euh, après, ce qu'il y a de cool aussi, c'est qu'on peut utiliser un second noise pour faire une soustraction de mon premier noise. Donc si je fais une copie de ce bruit fractal, et que là, ce bruit fractal, je l'appelle écor écorché, voilà. je vais enlever l'effet de sur celui-là, c'était important, je vais vous expliquer pourquoi. On va utiliser la technique des trachmates. Euh, J'avais déjà parlé de ça dans différents streams, mais en gros... Sur mon, mon bruit fractal écorché, je vais pouvoir changer son échelle, par exemple, que sur la, que sur la pardon, largeur. Donc maintenant, on peut voir que ça va me faire un bruit un peu étiré. Okay. Je, je fais n'importe quoi. Regardez, vous savez pourquoi je fais n'importe quoi Je travaille toujours sur mon euh, bruit fractal ici, parce que j'ai toujours le loqué. <laughs> Donc c'est important de le déloquer, sinon on va bosser tout le temps sur le même layer. Je me disais bien, mais attends, ça n'affecte pas le bon noise là, c'est bizarre. Euh, donc, c'est bon, j'ai fixé le problème. C'est le genre de truc où moi je serais resté bloqué 4 et demie, tu vois. <laughs> ça, c'est à force de connaître le logiciel quand oh, tu fais deux, trois actions. Tu... actions. Ça ne le fait pas, ça. Non, ça ne marche pas comme ça, After Effects. <laughs> du coup, là, si j'enlève le mul sur le second et que je vais dans la transformation et que je décoche Uniform Scaling et je bouge comme ça, on peut voir que ça va m'étirer le bruit. Et ça maintenant, quand je vais aller dans mon bruit fractal ici, je vais pouvoir faire un mode de fusion, un track, pardon, un track mat, d'accord, basé sur la luminosité, par exemple, de mon layer bruit fractal écorché. Et en gros, Pauline, je me rappelle, je te l'avais expliqué, et je l'avais expliqué à tout le monde, mais en gros, luma mat, c'est faire un masque via la luminosité, et luma inversé, comme on indique, c'est donc les zones sombres. Donc si je mets luma mat, bim, on peut voir que maintenant mon bruit est découpé un petit peu par rapport à mon bruit du dessus. Et ça, quand on va revenir, du coup, ça, ça va me créer donc des effets un petit peu d'écorchure. Vous allez voir, ça va être sympathique. Ouais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre mon background qui est ici, et je vais lui mettre un effet qui s'appelle GLACE. C'est là où on va créer la profondeur dans ma blessure. Donc, j'appelle euh, mon glace si je veux bien, parfois... Mon petit clavier ne veut pas appeler le oui. bruit. Pas dans un plugin, Comment Là, ce n'est pas un plugin. On le trouve... Euh, il est là. Ah ouais, ça, c'est directement ah. dans, euh, dans After Effects. Oui. Alors, oui. Je ne oui. sais pas pourquoi il ne veut plus appeler FX Console, c'est bon. Euh, ça s'appelle CC Glass. Donc, je ne crois pas que ce soit des effets par Adobe de base, mais je crois qu'ils ont racheté la boîte il y a maintes années et ils ont incorporé ça au logiciel et maintenant, c'est directement dans, euh, dans After. Voilà, ça me fait un effet bizarre. On dirait que je suis fait de gélatine, ce qui ne marrant. marche pas. C'est marrant, ouais, marrant, ça peut être rigolo de faire ça aussi. Mais ici, il y a un petit onglet qui nous intéresse, c'est Surface. Et on va pouvoir sélectionner un autre layer, comme par exemple blessure. Et on va mettre euh, la source, donc blessure, mais aussi effet et masque. C'est important parce qu'il va prendre en compte du coup mon effet lockdown qui y a dessus. Ah, c'est intéressant. On commence à avoir un relief un peu étrange sur ma peau. Mais... Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a pris mon noise et il a flouté. C'est normal, c'est parce que le softness est à 20. Mais si je le redescends à 1, là on va commencer à avoir un truc un peu plus voilà, détaillé, un peu plus sympa. On va pouvoir prendre la high et par exemple l'inverser pour creuser dans ma peau. Et on peut se baser, par exemple, sur l'alpha de mon layer. C'est pour ça qu'on a mis le une... pour avoir l'alpha, la transparence. Et maintenant, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et c'est maintenant à nous de gérer, par exemple, l'éclairage. Il y a des paramètres d'éclairage, mais aussi de shading. Euh, le shading et l'éclairage, tout simplement, c'est si je tourne ici dans le light euh, direction, regardez ce que ça va faire sur ma peau. C'est pour diriger et savoir, du coup, où vient ma lumière. Donc moi, par exemple, elle vient d'ici. Et après, je vais pouvoir, par exemple, aller dans la roughness, augmenter la roughness baisser la spécularité parce que ben, c'est un peu trop fort. Mais en faisant ça, on va pouvoir creuser dans la peau, en fait. Ouais, carrément. Donc c'est plutôt pratique. Oui, ça ajoute du volume direct. C'est cela. Et après, on va pouvoir faire une copie de ma blessure et c'est là où on va pouvoir injecter des trucs un peu trash dedans. Donc pour ça, on va mettre un effet comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le tatou, qui s'appelle fil. Joël nous dit les six flux ont des plugins de six corps et c'est indépendant d'Adobe, ils ont juste un deal. Ah d'accord, ça n'a toujours pas été racheté ou quoi? D'accord, c'est juste un deal. Très bien. OK. Oui, tu peux mettre aussi des vraies lampes de After Effects dans six Glass aussi, en effet. Carrément. Totalement. Et du coup, là, je vais mettre le mode de fusion de blessure 2 en mode classic color dodge. Et c'est là où on va commencer à avoir vraiment cet effet de sang. Donc là, mon rouge est un peu trop vif, donc je peux essayer de le descendre un peu et le désaturer. De changer mes réglages aussi pour inverser par exemple la hauteur ou non de ma peau. Et là après ça va être un travail juste de savoir exactement quelle taille mettre dans le bruit pour avoir plus ou moins de détails par exemple. Plus ou moins de contraste. Encore une fois, plus ou moins de profondeur. Donc là, je peux essayer de mettre un peu moins profond. C'est marrant. Et ça bouge comment, du coup Ça bouge comment, c'est-à-dire bah Là, si tu fais play, il se passe quoi ah bah, Si je fais play, ça devrait normalement bouger en même temps que ma vidéo. Ah c'est stylé. Hein. Ah, c'est plutôt cool. Et comme c'est euh, avec des modes de fusion qui réinterprètent l'éclairage, en fonction d'éclairage, eh le rouge, par exemple, aura une teinte différente. Euh, yeah. tu vois sa saturation aussi ça peut jouer donc tu vois ça interagit ouais. quand même plutôt bien et après ce qu'on peut faire ce qui est cool c'est ce mot procédural c'est qu'en fait si je prends le deuxième écorché et que je change son évolution ben en fait j'ai des blessures à l'infini ok donc c'est ça l'effet procédural on dépend de rien on dépend juste de des noise d'after effect et donc maintenant j'ai juste à bouger si je veux une voilà par exemple ça avec un ouais. peu moins quand même. Hop, si je vais là maintenant, tac, j'ai une blessure différente. Donc maintenant, on peut être libre de choisir au client n'importe quoi, de dire, bah en fait, non, je veux cette blessure-là, ça c'est plutôt pratique. C'est pour ça que le procédural est un workflow très utilisé au cinéma, parce que bah, par exemple, Marvel change d'avis sur euh, même le design d'un personnage tous les deux mois. Donc c'est normal d'avoir un truc super flexible où on change juste un truc et ça, ça redistribue tous les changements ouais. au fil de la prod, tu vois. Ouais. Oui, c'est l'équivalent de bosser en non-destructif euh, dans Photoshop, en fait. Exactement ça, ouais, exactement ça. Tu détruis rien, il y a toujours une trace quelque part de, de ce qu'on fait. Euh, donc ça, c'est plutôt sympa. Et après, ce qu'on peut faire, c'est faire une copie euh, de ma blessure 2, ce euh, sera blessure 3. Et ce qu'on peut faire, c'est maintenant rajouter un effet euh, de Fastbox Blur ou flou encadré accéléré. Et ça va en fait donner une teinte un peu comme si j'avais eu le, le coup un peu de tout ça un peu rouge, et je peux utiliser un effet de niveau pour essayer, par exemple, dans l'alpha, à dire plus ou moins, en fonction de l'endroit, je peux définir exactement si je veux beaucoup de bruit comme ça, ou un truc un peu plus sale, pour avoir la peau vraiment dégueu. Et après aussi, donc ça, je l'ai montré sur ce layer-là, mais si je prends le sang ici, et que je change son alpha-là, eh je peux choisir exactement où je veux le sang aussi. Tu vois ah, ouais, okay. Donc, c'est extrêmement flexible et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec. Bon, là, si on abuse, c'est n'importe quoi. Mais alors on peut avoir un max de contrôle. Ouais, non, un clair, truc ouais. un peu trash euh, qui peut être sympa, c'est que ce bruit-là correspond un petit peu à la chair, à la, au muscle de la joue. Euh, donc, si imaginons que je change ça et que je passe en dynamique, euh, je sais pas, dynamique comme ça, eh bien, en fait, quand je vais bouger l'évolution, à faire des mouvements un peu organiques, alors c'est là où ça peut devenir intéressant et créatif. C'est que je peux faire Alt et cliquer sur le petit chronomètre de l'évolution et ça va mettre une expression. Et une expression, ça peut paraître compliqué, mais pas du tout. Mais on peut dire que en fait, l'expression time, c'est pareil en français et en anglais, hein, c'est toujours time. On peut dire time multiplié par je passe 100, et en gros, ça va dire à une frame, l'évolution aura bougé de 100 degrés, tout simplement. Euh, donc là, peut-être pas 100 degrés, ce serait abusé. Mais 50, pourquoi pas Ah, quoi que même. En fait, on peut mettre 100. Et là, on peut voir que mon bruit bouge. Et ça, en fait, quand on va revenir sur mon effet de base, on va voir ma chair un peu bouger en dessous. Je ne sais pas si elle va se voir très clairement. Peut-être qu'il faudrait que j'augmente les contrastes. Et... Peut-être que le mouvement ne sera pas assez conséquent. Non. Je vais le remettre un peu plus fort. Je vais abuser le truc, hein, mais... Euh... On ne fait pas autant. Voilà, peut-être que là, ça se verra mieux. Et on va peut-être augmenter le contraste aussi. Voilà. Là, si on regarde. <laughs> c'est vraiment cool. Ah, c'est plutôt sympa, ouais. Et là, on le voit, on le voit, c'est comme s'il y avait un peu des tâches vivantes. Oui, oui, c'est vraiment dégueu. Ouais. À l'intérieur, ça bouge un peu, il y a un truc qui... Ça, ça peut être intéressant et aussi euh, ce qu'il y a de intéressant c'est que, on peut faire un effet un petit peu à la Wolverine comme si guérissait. Euh, et pour ça c'est tout simple c'est imaginons je veux guérir à partir de la moitié et eh bien en fait comme on a utilisé un deuxième bruit fractal pour la visibilité du premier eh bien j'ai juste à bouger la brightness comme on fait un track mat via la luminance je peux dire ben, maintenant tu as la luminosité comme ça mais vers ici, Aura la luminosité à zéro et donc ça va faire disparaître mon bruit. Ok. Et donc maintenant si je reviens, là j'aurai plus rien, mais au début oui. Et donc maintenant on va regarder ce que ça va faire sur l'animation. Hop, ça commence à se résorber. C'est cool. Et ça fait un petit peu Wolverine. Ah c'est stylé. Oui ça fait pas vraiment. Un... En plus ça fait pas une opacité, on voit vraiment que ça mmh. fait bien. C'est ça Exactement. C'est ça qui est cool avec cette, cette technique. C'est qu'il y a vraiment une sorte d'épaisseur euh, qui se crée en fait. Voilà. Et même là, tu vois, je pourrais m'arrêter. On pourrait croire que j'ai juste quelques cicatrices, tu vois. Ouais, ouais. Ça, c'est plutôt sympa. Et ce qui est cool, donc, c'est qu'on peut casser ce côté un petit peu procédural pour mettre nos logos. Je vous l'ai montré au début avec le logo Batman. Donc, on va regarder comment faire ça avec un autre logo. Donc, euh, <laughs> prenons par bon, exemple. Vrai le logo d'Adobe. <laughs> Comme s'il m'avait mar... <laughs> marqué au fer rouge. Donc on va mettre ouais. copier l'image. <laughs> et on va faire edit et paste grâce à mon petit plugin Mobo Utils. On le cale ici. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre euh, un teinte et on va tout teinter en blanc. Parfait. Et ça, en fait, ce logo Adobe. Logo Adobe. On va euh, le mettre à la place de mon bruit. Et donc maintenant, si je cache mon logo, eh ben, il se base sur la luminosité de mon layer et plus de mon bruit pour apparaître en fait. Il y aura le petit euh, marque déposée en haut à droite, ça va être marrant. <laughs> on te marque au fer rouge, mais il y a quand même la marque déposée, tu déconnes et pas. quand hein. même. Eh, ça va. Hein. <laughs> donc là, c'est cool. Et donc si on regarde, ben, maintenant j'ai mon logo qui est adobe comme ça. <laughs> Super gênant. C'est super gênant, mais le truc, c'est que euh, le problème avec ça, c'est que le logo est trop net. Là, on dirait juste que, comme euh, jigsaw dans euh, Saw, so, on m'a juste découpé une pièce euh, de ma peau. Donc pas fou. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter un effet qui s'appelle rough, roughness edges, ou je me rappelle plus ce que c'est en français, euh, mais roughness edges. Et en gros, ce truc là, ça va permettre de prendre la bordure en alpha et de la euh, un peu de la casser. Donc, maintenant, si je bouge mes effets de bruit, on peut voir qu'il y a une influence un petit peu là. là. Je vais isoler par exemple que lui. On va regarder un peu en qualité full ce que ça va nous faire. Donc, si j'augmente, on peut voir que ça va commencer à casser un petit peu. Contour bruit. Contour brut. Contour brut. Voilà, contour brut. Là, on peut voir que ça fait ça. Et ce qu'il y a de cool aussi, c'est qu'on peut. Faire une copie de ça. Désactiver le Lumamat pour, pour, pour le moment. Et sur mon deuxième, je peux mettre un Fastbox Blur. Et je peux flouter mon, le, la copie du logo et mettre le second en mode Alpha. Et maintenant, vous voyez que ça va me flouter ah, oui, okay. un petit peu les bords. Et En fait, ce truc-là de Roughness Edges, je peux le mettre sur ce travail que je viens de faire là, en fait. Donc, ce truc-là, je peux en faire une précompte, on peut appeler ça logo Atom, euh, Adobe, pas Atom, qu'est-ce que je raconte Et maintenant, donc, si je fais un reset de ça, on peut voir que je vais pouvoir avoir cet aspect un peu déconstruit aussi sur mon logo. Et comme tout à l'heure, je peux donner aussi un effet. Je vais juste regarder pour que ce soit encore lisible. Ouais, très bien. Euh, sharp edges. OK. Et ce qui cool, ouais, c'est dans le stretch 8 ou riff on peut choisir si le bruit, on veut l'étirer vers la hauteur ou la largeur. Et donc ça, c'est cool pour donner cet effet un peu éraflure. Hop, imaginons comme ça. Et normalement, ça devrait être un chouïa mieux. Donc là, peut-être que la luminosité n'est pas encore très conséquente à cause de ça là. Mais encore une fois, tout reste à changer. Tout ça, c'est des réglages vraiment à faire en fonction de vous. Hop, voilà. Et maintenant le bruit fractal. Donc je le remets en mode Luma. Tac, parfait. Donc là encore une fois je peux gérer tous les paramètres donc, comme ça. Et donc maintenant si je reviens, j'ai une sorte de logo un peu un peu plus disparu. Bon là ça marche pas très bien avec les lettres, je vous l'avoue. Euh, normalement ça marche mieux quand c'est des logos pleins. Euh, mais les lettres comme c'est un peu fin, cette technique-là peut un peu un peu être capricieuse ouais non mais t'inquiète on comprend bien mais voilà au moins vous savez la marche à suivre mais avec le logo Batman ça marchait plutôt bien mais okay. <laughs> voilà en gros vous pouvez expérimenter avec des logos euh, un peu tout c'est plutôt intéressant et ce y a de plutôt cool aussi c'est que on peut créer des effets un peu plus un peu plus trash un peu plus bizarre euh, donc si imaginons je crois que j'ai supprimé mon bruit fractal de base on va revenir en arrière. Le pomme Z. <laughs> Dieu merci, le CTRL Z ou le pomme Z existe. existe. Allez, 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 allez. Si je peux revenir en arrière jusqu'à ce point-là. Oui, parfait. Cool. Donc maintenant, je reviens à ça. Et euh, ouais, ce qui est sympa, c'est que donc là, j'ai du rouge, mais je peux partir sur un truc plus sombre, plus dark, et changer mes modes de fusion, par exemple, en multiply ou des choses un peu plus brillantes, dark. Euh, un peu plus dégueulasse. Je pense qu'il y a moyen de pouvoir faire des choses vraiment trash avec ça. Ou même euh, de faire. Alors, attendez, je vais tester un truc. Okay. On va essayer de faire un petit truc sympa. Essayer de faire un petit truc sympa. On peut faire par exemple de la lumière. Euh, Andrew Kramer avait fait un tuto comme ça dans le passé, mais en gros, je peux utiliser ça, mais juste changer ses modes de fusion et ne pas partir sur une blessure, mais partir par exemple sur un truc qui fait un peu de lumière et ouais. euh, donc, par exemple, rajouter un petit effet de courbe, ajouter peut-être du bleu, par exemple. Tu nous avait fait ça aussi, euh... mais du coup, c'était avec Moka où tu t'étais mis des lignes de lumière euh, sur le visage. On avait fait une oui. comme ça ouais. Avec Mocha aussi, en effet, c'est possible de le faire. Euh, Mocha, c'est sympathique. Euh, mais encore une fois, il euh, y a des trucs euh, qui ont des limitations. Mocha peut traquer des surfaces qui bougent comme ça. Mais qu'on se le dise, Lockdown sera dix fois plus efficace. Hein. Euh, vraiment, vraiment beaucoup plus efficace euh, sur ce genre de travail. Euh, donc là, imaginons, on est comme ça, on est content. Là, on va un peu faire ça. On va le laisser un peu plus apparaître. Et du coup, on peut avoir des effets de lumière, on peut rajouter un niveau et prendre les highlights et un petit peu les écraser pour que ce ne soit pas trop blanc non plus. Ouais. Et après, on peut prendre ça peut-être et le mettre en mode, euh, je ne sais pas moi, pareil color dodge, mais on va le flouter comme tout à l'heure pour avoir un effet de SSS, comme si la peau s'illuminait un peu par-dessous. Et après, donc, on peut mettre une petite euh, clé d'anime ici et avoir cet effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'évolution un peu bizarre d'énergie ou un truc comme ça. Là, ça fait un peu trop de oui, lumière, mais bien. vous avez capté le pas. délire. Oui, ok. Ou hein. la peau, c'est marrant. Oui, ça donne trop envie d'essayer. <laughs> bah, après, peut-être un mélange des deux, tu vois, ou. Où... Enfin si tu as du sombre un peu sanglant et qu'il y a de la lumière qui passe en dessous ça va ah ouais non, carrément non, carrément bien, bien. Hein. Ouais. Et, puis, et puis ce qui est cool avec ce bruit fractal c'est qu'il y en a différents types donc si je prends par exemple Blocky je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Blocky euh, je me rappelle plus ou oh, Rocky non je, je crois que c'est Rocky non peut-être pas Rocky ah non c'est là c'est vrai c'est là il y a un truc qui s'appelle Block et en gros on peut même faire des effets un peu digital euh, numérique comme si j'avais été infecté par un virus ou je ne sais pas mais ça peut donner des effets un peu, vraiment, on peut expérimenter. Il y a des trucs vraiment à faire, quoi. Un virus dans la vraie vie. Ah ouais, c'est vraiment bon hein. stylé Après, on peut rajouter un petit glow par-dessus, histoire de faire plus de lumière encore. Mmh. Hop. Passons bleu. Wow. Mais ouais, il y a plein de choses à faire avec cette technique. Je pense qu'il y a... Il n'y a pas que des blessures à faire, on peut faire plein de trucs, je pense, même euh, comme je vous l'ai montré, des tattoos. on peut faire de l'effacage aussi euh, sur la peau, parce que du coup, si euh, je reviens sur ma... mon travail, donc je vais supprimer tout le reste, et on va le placer en mode normal, on va supprimer tous ces effets-là, cool. et que je cache ça, et que je prends ma... mon plate, et que là, ce bouton-là, il ne me plaît pas, tu vois, ah. le petit spot pas fou. Donc là, on va prendre. Euh, le clone stamp tool, on fait double clic dessus. Et ça, euh... le ouais. Comment Le Photoshop qui bouge, c'est tellement magique. C'est ça, <laughs> exactement. Et je peux stamp par exemple, alors je ne suis pas un pro du stamp, mais voilà, prendre ici par exemple, et je reviens là, dans ma comp, et normalement maintenant, mon bouton ne devrait plus être. Ah, il est non. toujours affiché. Tout soyeux. Non, normalement il devrait être visible. Pourquoi Ah, c'est normal, je sais, je crois. Je crois. Hein. Ah non, le clone, il est toujours. Alors pourquoi ah, Là, il n'y a plus le bout. Ah là, tu vois la luminosité, par contre. Quand on fait le clone stamp. Comme la peau n'a pas beaucoup de lumière, enfin, euh, la même lumière en fonction de la torsion de la peau, cette technique-là peut quand même être un peu touchy. Bah, Mais... Du coup, il faudrait peut-être faire un content aware. Ouais, un content aware marcherait sans doute mieux ouais. pour ça. Contenu pris en compte en français Carrément. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas visible parce que non, ça doit être visible. <laughs> j'ai dû faire un truc euh, pas bien, mais non, ça devrait l'être. Étrange. Mais oui, plein de choses à faire avec cette technique. Et voilà, je crois que j'ai abordé pas mal de petites techniques intéressantes avec les bruits, lockdown, plein truc sympa. Donc, si vous avez des questions, des petits trucs, n'hésitez surtout pas. Il y a 7 minutes là. Ouais, carrément. Du coup, en gros, si j'ai bien compris le truc, il faut ouais. bien faire sa base. Tu vois, mm -hmm. t'as ta plate et après par-dessus, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Ouais, exactement. Si tu veux mettre un texte ici, tu peux mettre un texte et marquer euh, Pauline. Ah, je me suis fait tatouer moi. Pauline. <rire> <rire> oh là là. <laughs> Hop. Là, automatiquement, j'aurai Pauline, quoi. Oui, en fait, si ton fichier il est, il est propre, euh, après, c'est bon. Exactement, wow, c'est ça. C'est mon... mon rêve, voilà. <laughs> <Oui>. Parfait, voilà. <laughs> Donc, ouais, on peut mettre à peu près, près ce qu'on veut. C'est sorti d'un gang vraiment très étrange. Exactement, ouais. Les fameux gants qui ont une larme, ça aussi, c'est faisable. Dans hein. <laughs> <laughs> ta petite larme. Ouais, c'est ça, je Tu peux faire des face tattoos. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, je fais pas la plus, ça, plus belle larme. Si vous avez des idées, qu'est-ce qu'on peut faire ah, tu peux aussi servir pour te vieillir. Tu fais une image de toi milieu avec Face Photoshop et tu la traques sur ton visage. Ouais, totalement, totalement. Ça peut être faisable. Euh, après, c'est mieux d'utiliser le, fa le deep fake pour ce genre de truc. Mais en effet, ça a déjà été fait d'ailleurs. Je crois qu'ils ont utilisé... Je crois que quelqu'un l'a fait en tuto. Recheck ça. Mais je crois que quelqu'un l'avait fait avec lockdown. Voyons. Ok. Valder avait... qui nous dit je ne savais pas qu'il y avait clone step. Donc, clone stamp, Clone stamp, fait... ah je de faire la Eh si. <laughs> bah ben là ouais, c'est ça. Quelqu'un Mais... l'avait déjà fait. Ben, c'est le développeur du plugin, je crois qu'il l'a fait le tuto. Mais en gros voilà, il avait fait un peu vieillir Captain America. Donc c'est faisable. Et vous avez un tuto pour ça, je peux vous le partager si vous voulez. <laughs> bah oui, écoute carrément. Donc il propose de se faire tatouer le prénom des collègues sur le postérieur. Et bien ah. voilà, tu m'enverras une photo, Franck, Frank. Euh, je Frank. On va voir ça, on va voir ça. Je peux t'aider. <laughs> mais euh, sinon, il y a Chimique Pro qui dit, il faut que la caméra reste fixe ou on peut bouger. Tu peux bouger, euh, nos soucis. C'est juste que si tu as la caméra qui bouge et que du coup tu as des gros mouvements, des gros tremblements, c'est important d'avoir du coup un, une vitesse d'exposition de, de ta caméra rapide. Euh, sinon, si tu as trop de motion blur, on parlait des détails tout à l'heure, des contrastes, mais s'il y a trop de flou, bah, il n'arrivera pas à comprendre les points. C'est comme ça que marche le tracking. Il faut au moins une vitesse à un centième. Euh, 1, 150 euh, pour pas avoir trop de flou de mouvement la, ah, okay. ouais, la focale enfin la focale, qu'est-ce que je raconte ouais. la, la vitesse ciné c'est 1,50 le double de la du FPS mais euh, du coup il faudrait au moins 1, 150 pour avoir une image quand même relativement nette et ne pas avoir trop de flou de mouvement ok, ouais c'est important ça parce que en vidéo on est plutôt à, en cinquantième en ouais, du coup après ouais. tu rajoutes un, tu rajoutes un motion blur sur toutes tes vidéos par défaut euh, du coup, ça dépend, mais oui, tu peux rebleurer avec, il euh, y a des outils sur After Effects de flou de mouvement, euh, ça se fait, ça se fait totalement. Ah, je viens de penser qu'on peut faire un effet dégueu si je bouge ça comme ça. Bon, vous l'imaginez avec une autre forme, mais... Ah ouais, genre un... Chelou qui... qui bouge dans la peau. Ouais, ouais c'est marrant. C'est rigolo, comme s'il y avait vraiment peux un, ajouter truc un truc. je sais pas trop, j'ai réfléchi. Ouais, parce que tu pourrais ajouter un insecte. Je sais pas trop. Ouais, un insecte, plein de trucs. Ou un trou dans ma peau. Plutôt sympa. Ouais non, il y a plein de trucs à faire, c'est hyper cool. Carrément. Mais ouais. du coup, tu conseilles quelle technique pour ajouter du motion blur sur, bl sur la blessure uniquement? Bah, du coup, ça, ça dépend de ton plan de base, mais si imaginons j'ai ma blessure qui me plaît, donc euh, hop, euh, ouais, du coup, on va repasser sur un truc normal. Je vois tu dis, Andrew l'a fait avant toi, le truc qui bouge sous la peau. Et oui, dit, je, sais, trucs, ouais. je sais, je sais, carrément. Mais j'ai fait euh, Squid Game avant lui, et alors, et alors Allez. Il a fait 150 tutoriels, Andrew Kramer. J'ai fait 365 vidéos presque. Et à quel âge Attends, parce que... Il a, il a, je pense qu'il doit avoir dans les 30. Dans 35, 38, je pense. Oui, oh, c'est pour ça, t'as vachement d'avance au final. Hey, oh. <laughs> du coup, euh, qu'est-ce que j'allais dire bah, J'avais un truc, mais. Ah oui, RSMB, oui. Euh, Quelqu'un l'a l'a dit là tout à l'heure. Hop. Imaginons, je mets ça comme ça. Bon, c'est moche, mais en gros, là, par exemple, si je regarde mes mouvements de tête, bah, ma vidéo n'a pas l'air très nette, n'a pas besoin réellement de flou. On peut regarder ma main qui bouge, ouais. là, quand elle monte et tout. Il faut se baser, voilà, sur la vidéo de base. On voit qu'il y en a un peu là. On voit légèrement. Euh, donc, ce qu'on peut faire, c'est sur la blessure, on peut utiliser du coup un plugin qui s'appelle RSMB, qui est Real Smart Motion Blur. Et rien que là, je l'active et du coup. Il va analyser le mouvement des pixels image par image. Il va se dire ok, oh, okay. Si là il est passé par là-bas, donc je lui mets une valeur de flou comme ça. Ok. Et donc ça c'est RSMB, mais je crois qu'il y a, euh, je sais pas si, si Force Motion Blur. Alors ça marche pareil, mais qu'est-ce que cet effet gourmand Alors soit peut-être il a été optimisé avec euh, le nouveau multi-frame rendering, mais on peut voir que là, par exemple, ce qui est bien avec ce, la nouvelle feature de After Effects, c'est que ici, maintenant, on a la fenêtre de render time. Euh, pour l'activer, oui, il suffit de cliquer ici, en bas à gauche. Maintenant, ici, je peux voir exactement le temps de rendu par seconde. Donc, lui, il me bouffe, par exemple, ici, 295 millisecondes. Donc, maintenant, si je mets RSMB, voyons si ça ne peut pas m'optimiser le truc. 130 millisecondes. Ah, donc, c'est plutôt cool de pouvoir choisir même... Avec des effets natifs d'After Effects, travaille à Tom. Ben oui, je suis en train là. Oh, ça va <laughs> J'essaie de me motiver avec des alertes, de travailler, de ne pas être de trop procrastiner mais du coup ouais c'est très cool cette feature là parce qu'il y avait plein de gens qui me disaient mais à quoi ça sert de... cette feature là c'est inutile qu'est-ce que vous faites bah ben non en fait c'est trop pratique parce que si imaginons on veut changer une couleur d'une vidéo avec une courbe eh ben, peut-être qu'avec un niveau ça sera moins gourmand sur un cas de figure donc quand on est pressé par le temps bim bim on fait ah courbe ça marche pas peut-être level euh, peut-être teinte et saturation donc on peut tester différents trucs pour optimiser ces temps rendu. donc le render time est génial euh, et c'est très pratique voilà Carrément, je en plus, ouais, c'était mis à jour il n'y a pas longtemps. Euh... Oui, totalement. qui me demande si, par exemple, je veux une cicatrice sur tout le visage. Est-ce que je peux bouger, mais doucement C'est possible. Euh, alors moi, ce que je t'ai montré, c'est les basiques de lockdown. Euh, tu Prod. Prod mais euh, tu as des tutos de lockdown où le mec a fait des, 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 des trucs. Enfin, je, je vais essayer de vous montrer un petit effet qu'il avait fait. Euh, lockdown. Euh, je crois que c'était pour Christmas, je crois. Peut-être pas. Là, on va nous parler du Covid parce que ça s'appelle lockdown. Mais si je mets After Effects, hmm, je ne sais pas si on va le voir, mais il avait fait une petite vidéo de présentation où il montrait en fait il pouvait traquer des surfaces. Ben là, on peut le voir une très grosse surface. Il a plein de petits tips and tricks pour euh, voilà traquer des surfaces d'une manière très efficace. Euh, donc ça, c'est à vous d'explorer. Mais il y a moyen de faire un milliard de trucs. Ah ben celui-là, je crois qu'il est sympa. Là, il avait fait un truc sympathique. Lui, c'est le développeur, Christ, Christopher Vranos. Et là, il a fait un, tra un tracking sur tout son t-shirt, mais aussi son visage. Et il s'est collé des espèces de, de trucs gluants dessus, et là, on peut voir que ça marche relativement bien sur une grosse surface, quoi. Ah oui, ouais. Les tutos okay. du créateur de Lockdown sont vraiment très bien. Bah, ça, c'est clair que quand tu connais ton, euh, que, que tu as codé ton truc, je pense que les meilleures ressources de tutos viennent de, de lui, quoi. Là, il explique, bref, tout ce que je vous ai montré au final. Là, voilà, on peut réadapter les points s'ils bougent. Donc, ça, je ne voulais pas montrer parce que c'est un cas de figure simple. Mais voilà, on peut réadapter les points si jamais ça bouge. Euh, donc, si on veut être précis, on peut faire de l'extension de points pour avoir en fait un peu plus de marge sur les bords. Et lui, il fait ouais. une autotriangulation et il va faire bouger les points extérieurs en fonction du mouvement des points à l'intérieur. Donc, ça peut être pratique. Bon, là, il est recouvert en entier de cette gélatine bizarre. Mais euh, du coup, très, 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 très cool. Et donc, je vous invite à regarder un peu tous les tutos de ce gars-là, parce qu'il est très fort. Bah, ok. Puis, je comprends aussi pour ceux qui veulent faire tout le visage, ça peut être intéressant de rebouger les points euh, à l'intérieur. Tu vois, là, quand il ouvre la bouche et tout, c'était cool. Ouais, ça marchait okay. très bien, ouais, carrément. Bah, ça donne trop envie de tester, franchement. <laughs> À chaque coup, fois que je fais un truc avec toi, tu fais ça. me donne envie de tester. Hey, franchement, j'ai testé plein de trucs. Je dis pas ouais. que c'était facile, mais euh... mais franchement, le lockdown, je pense ça pourrait te plaire. Hein, toi, avec tes crassures, ouais, je pense que ça va me plaire. Bon, mmh. je vais tester et puis je t'appellerai à l'aide et on fera une session euh, appel au secours. Parce qu'en fait, vous avez la version Atom où tout a l'air simple. Et moi, je vais, tu sais, c'est comme les gens qui disent euh, au JO il faudrait un humain normal pour comparer avec les athlètes. Ah, voilà. C'est vrai, c'est vrai, vrai, ça. <laughs> alors toi t'es trop fort moi je suis à côté et je vous montre comment euh, ça marche vraiment en compte normal <laughs> fait... c'est plus facile que ça en a l'air enfin, non ça a l'air facile quand je le fais mais c'est vraiment aussi facile euh, vraiment c'est très simple d'utilisation lockdown et bah écoute je vais le tester et la prochaine session on essaiera pour voir si ça marche tu vois je, je m'engage à le tester <laughs> à faire le vrai humain je testerai pour vous <laughs> euh, et bah, je crois qu'on a plus de questions et après, il nous dit en compte-heure, elle hein, est en 1970. Ça va être tout avant de faire euh, des effets spéciaux, et des trucs cool. Euh... 1970, mais attendez, mais il a quel âge alors ce monsieur Bah Plus de 50 ans. 52 ans, c'est impossible. 52 ans. Bon, maintenant, tu sais pas, ça se trouve sur toutes ses vidéos, où il fait du mocha, tu vois. Euh, hum. Il est super fort, il en est capable, non 52 <laughs> ans, mais c'est incroyable, cet homme est, est Keanu Reeves de After Effects, en fait. Et bah incroyable. voilà. <laughs> Alors ah, ce qui dit Aïe, j'espère que je n'arrive pas à la fin. Eh bien, si, mais <laughs> le replay est dispo tout de suite. Donc, tu peux euh, le lancer tout de suite. Si, voilà. ça. Surtout Storyx. au final, tu l'as vu, je l'ai fait faire en stream aussi. <laughs> ouais. Et, euh, et ben bah, merci, c'était hyper cool. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes existentiels, on a le Discord de la chaîne Adobe France. Voilà. Et puis, bah, de toute façon, toi, tu dispo sur tes réseaux. On est tous sur les réseaux voilà n'hésitez pas à nous rejoindre nous poser des questions si vous voyez le replay et oui. puis voilà Parfait. demain il y a Franck à la même heure petite session donc customiser des sneakers avec Boris Meyer, une session masterclass ça va être cool jeudi il y a du photoshop qui va être trop de clé avec Gomme Pilote et Ascle Pro typo logo et motif dans Illustrator vendredi donc encore une semaine bien chargée donc merci à tous voilà, regarde un petit peu. Bon, bon. bah, merci, c'était hyper cool Eric encore une fois. Eh ben, chose, merci, merci. j'espère que ça vous a plu tout le monde. Et, euh, on ouais, bah, envoyez-moi euh, si vous faites des trucs. Moi, je suis super curieuse de voir euh, si vous testez les, les logiciels. Quoi. Ça, je suis curieuse. Voilà. Par Carrément. contre, si vous mettez euh, Pauline sur votre, sur votre tête, c'est bizarre. Mais je veux bien voir quand même. Voilà. <laughs> Et bah, merci à tous. Merci Eric, je vous envoie... Plein de bisous, passez une très bonne semaine. Euh, bah, demain sur la chaîne, et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, au revoir Absolument. tout le monde, merci!